Bonjour, je suis Pauline Bézon, je suis chargée de communication pour Lilot. Lilot, c'est un outil numérique d'encouragement à la lecture. Donc l'enfant va lire un livre papier à la bibliothèque, à la maison ou à l'école. Et il va se connecter sur son compte Lilot. Il va répondre à une série de questions, donc entre 5 et 15 questions en fonction du niveau du livre. Mieux il répond aux questions, plus il va gagner de points et évoluer sur son parcours de jeu. Il peut également jouer en équipe pour tenter de gagner plus de points et les partager avec des camarades. Alors, d'avril à juin 2023, nous avons mené une étude d'impact dans l'Académie d'Aix-Marseille. Nous avons été encadrés par des chercheurs, notamment Grégoire Borst et Anna Potocki. Et nous avons pu prouver les effets de Lilot sur les enfants de CE1. Nous avons notamment observé des améliorations en fluence et en lecture de phrases et de mots. Et plus récemment, en septembre, nous sommes rapprochés d'une association qui s'appelle Étape Lecture et avec laquelle nous développons un programme qui s'appelle Enjeu Lecture en trois axes. Donc le premier axe, ça va être de conseiller les enseignants en matière de littérature jeunesse pour revitaliser les bibliothèques scolaires. Le deuxième axe, ça va être de proposer des ressources, donc une version de Lilot un petit peu réduite, qu'on appelle Lilot Essentiel, qui propose 5000 quiz de lecture au lieu de 19000 qu'on a en base dans le Lilot complet. Et dans ce programme, on a également accès à des ressources pédagogiques papier. Et le troisième axe, ça va être l'accompagnement des enseignants, donc on va les accompagner à la mise en place de Lilot notamment. Et on va également sensibiliser les parents à l'encouragement à la lecture via des webinaires qu'on met en place tout au long de l'année. Notre objectif d'ici à 2025, c'est de déployer le programme Enjeu Lecture dans 1000 écoles pour faire un maximum d'usage et permettre au plus grand nombre d'enfants de découvrir le plaisir de la lecture.